pas vous l'allez, non, c'est bien. Bonjour, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, merci. Donc aujourd'hui, le cours d'aujourd'hui va porter sur la sérothérapie et la vaccination antivirale. Donc sérum et vaccins antiviraux, on va se concentrer uniquement sur les virus. Alors je suppose que normalement, je crois que vous avez fait un cours pareil en bactériologie, de même que certainement que vous avez abordé la sérothérapie et la vaccination en immunologie. Donc vous avez quand même de bonnes notions sur ce que c'est un sérum, avec toutes les applications, avantages et inconvénients, et sur le principe de la vaccination. Nous, on dira bien sûr un mot là-dessus, mais ce qui nous intéresse surtout aujourd'hui, dans le cours d'aujourd'hui en virologie, c'est de se concentrer sur les applications vaccinales en matière de virologie, de virus, d'accord, de calendrier vaccinal, et avec les perspectives pour les vaccins en cours de développement pour les virus, qui posent quand même un certain problème de santé publique. Bien sûr, donc sérothérapie, donc la sérothérapie par opposition à la vaccination, qui, comme vous le savez, est une immunothérapie active, la sérothérapie, elle, est une immunothérapie passive. D'accord? À la voix. Alors, est-ce que vous entendez mieux maintenant? Est-ce que c'est mieux? Alors, pour la voix, est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux. Ah, d'accord. Alors, je disais que la sérothérapie est une immunothérapie passive par opposition à la vaccination, qui, elle, est une immunothérapie active. Alors, immunothérapie passive, ça consiste à administrer, d'accord? Aux patients à traiter en fonction, on va voir des différentes situations pour la sérothérapie en matière de virologie, d'accord? Des immunoglobulines, des anticorps, d'accord? Alors,
Ça peut être des anticorps d'origine naturelle. C'est le cas jusqu'à présent, le cas qui est pratiqué jusqu'à présent, en tout cas en matière de thérapeutique anti-infectieuse. Hein, parce que nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la thérapeutique anti-infectieuse et particulièrement la virologie. D'accord? Alors, ça d'une chose, donc ce sont des anticorps d'origine naturelle. Ça veut dire qu'ils proviennent de sérum ou de plasma de patients qui ont fait l'infection. Patients, ça peut être parfois des animaux, d'accord? Et qui ont fait la même infection, qui ont développé les anticorps, d'accord, et qui sont guéris. Alors, et ça peut être soit des anticorps standards, d'accord, comme ça peut être des anticorps spécifiques, d'accord, c'est-à-dire spécifiques d'une infection virale ou voire d'un antigène viral. D'accord, donc ça, c'est la première des choses. Ça peut être des anticorps monoclonaux, ça veut dire que ce sont des anticorps qui sont travaillés au labo, produits par génie génétique, etc. Donc actuellement, en thérapeutique, en matière de sérothérapie antivirale, il y a des essais avec les anticorps monoclonaux, d'accord, on dirait un petit mot là-dessus, d'accord, mais ce sont surtout des immunoglobulines naturelles, soit standards, soit spécifiques. Alors bien sûr, quels sont les avantages qu'offre la sérothérapie, ça vous le savez. Donc une rapidité de détection par rapport à la vaccination. Donc la vaccination, pour avoir une réponse antivaccinale, il faut avoir plusieurs jours, d'accord, et ensuite on va voir les rappels, etc. D'accord? Donc ça, c'est une protection immédiate de quelques minutes, voire quelques heures maximum. D'accord? Alors, relais possible par la vaccination. Donc à ce moment-là, donc on peut commencer par une sérothérapie pour avoir un effet rapide et compléter l'effet à moyen et à long terme par une vaccination spécifique. D'accord? Et bien sûr, lorsqu'elle est disponible, ce n'est pas toujours le cas, lorsqu'elle est disponible et en l'absence de vaccin, ça reste la seule thérapeutique immunothérapie, d'accord, applicable en pathologie infectieuse. Alors, les infections, bien sûr, donc immunité uniquement passive, d'accord, ça veut dire qu'elle disparaît et qu'elle ne donne pas lieu à une mémoire immunologique, d'accord. Donc le système immunitaire, lorsqu'il aura rencontré le même antigène, ne va pas se protéger automatiquement, d'accord. Une immunité par le biais d'anticorps. Donc là, l'immunité à médiation cellulaire, les cellules, que ce soit les cellules présentatrices d'antigènes, que ce soit les lymphocytes, que ce soit les lymphocytes B ou plasmocytes producteurs d'anticorps, d'accord, ne sont pas mises à contribution, d'accord, avec une protection de courte durée qui dépend de la demi-vie des immunoglobulines. En général, c'est une protection qui va en fonction des immunoglobulines de 30 minutes, 1, 2 heures, d'accord, à 6-8 heures maximum. D'accord, c'est une protection de courte durée, d'accord, et avec aussi d'autres inconvénients d'origine, d'ordre technique. Il faut calculer le volume administré avec tout ce qui peut se trouver autour, une bonne purification des plasmas, d'accord, lorsqu'on va administrer les anticorps, etc. D'accord, avec tout ce qui est inhérent à toute, entre parenthèses, transfusion. C'est pas exactement une transfusion, mais à toute transfusion sanguine. D'accord. Alors, les applications virologie, d'accord, l'hépatite virale B. Je ne sais pas ce que vous avez fait le cours sur l'hépatite virale B. Alors, est-ce que vous avez fait le cours sur l'hépatite B? Donc, à chaque fois, je poserai la question, d'accord, pour les cours de virologie que vous avez fait. D'accord? Bon, non, malheureusement. D'accord. Allez, on va expliquer rapidement, d'accord? Donc, est-ce que vous avez fait l'hépatite C? D'accord? Est-ce que vous avez fait l'hépatite C? Allô? Est-ce que vous avez fait l'hépatite C? Kif kif. D'accord, non plus. Ah, d'accord. Ok. Malish. D'accord. Alors, l'hépatite B, bon, ce qui m'intéresse, c'est l'hépatite B. Pourquoi? Parce que pour l'instant, il n'y a pas de vaccin contre l'hépatite C. Moi, je pensais que vous avez fait l'hépatite C pour vous dire que à peu près, le virus de l'hépatite B, comme d'un point de vue pathologique, comme le virus de l'hépatite C, il donne ce qu'on appelle, d'accord, une hépatite chronique, d'accord, avec. Ah, d'accord, c'est pour tout à l'heure, Inch'Allah, d'accord. Avec comme conséquence, d'accord, on va avoir une hépatite chronique, une cirrhose, et à la fin, on peut développer pour l'hépatite B comme pour l'hépatite C, un carcinome hépatocellulaire, ça veut dire un cancer du foie. C'est ce que, d'accord, vous allez faire, etc. D'accord? Alors maintenant, dans le cadre de l'hépatite virale B, d'accord, il y a, on va voir tout à l'heure les vaccins, d'accord, il y a une prévention efficace, contrairement à l'hépatite C pour lequel il n'existe pas actuellement de vaccin efficace anti-hépatite C, d'accord? Il y a, vous allez faire le cours et on va dire un petit mot dans la partie vaccination. On peut faire une prévention efficace par le vaccin anti-hépatite B. D'ailleurs, le vaccin anti-hépatite B qui fait d'accord, l'objet depuis des années, d'accord, il fait partie du calendrier vaccinal obligatoire en Algérie et dans de nombreux pays au monde. D'accord? Donc, depuis de nombreuses années, il est incorporé, donc le vaccin anti-hépatite B. Alors maintenant, on peut faire,
dans certaines situations que je vous expose ici, d'accord, une sérothérapie par des immunoglobulines spécifiques anti-hépatite C, anti-hépatite B, pardon, d'accord. Alors, quand vous allez faire le cours sur l'hépatite B, donc la HBS, alors l'HBS est un antigène, d'accord, majeur, d'accord, c'est lui le témoin de l'infection par le virus d'hépatite B, vous allez faire le cours sur l'hépatite B, d'accord, et on vous dira que la protection, quand on aura une protection, que ce soit une protection, une immunité naturelle, que ce soit une immunité post-vaccinale, le vaccin dont je vous parle, d'accord, pour dire qu'on est protégé, d'accord, on va rechercher et on va titrer, d'accord, on va faire une quantification, les anticorps, les immunoglobulines anti-antigène HBS, qu'on appelle les anti-HBS, d'accord, vous allez faire le cours, d'accord, ok, donc ça, c'est pour vérifier la qualité de la vaccination ou de la protection après infection. Alors maintenant, d'accord, ce sont les applications des immunoglobulines, donc qu'on a purifiées à partir de patients, d'accord, qui sont et qui ont été infectés par le virus de l'hépatite B. Donc, on va récolter, d'accord, le sérum, d'accord, on va tirer les anticorps spécifiques anti-HBS, d'accord, ce ne sont pas des anticorps standards, on ne va pas prendre tous les IgG, ça veut dire quoi anticorps standard? Par exemple, on sera amené à prendre tous les IgG qu'on va trouver, tous les anticorps, quelle que soit leur spécificité vis-à-vis des antigènes viraux. Égal, par exemple, si j'ai, par exemple, des anticorps qui se développent vis-à-vis de 3 ou là, de 4 antigènes de ce virus, moi je vais prendre tous les anticorps. Là, ce n'est pas spécifique, c'est standard vis-à-vis du virus. Alors ici, j'ai ciblé uniquement les anticorps anti-antigènes qu'on appelle antigène HBS. D'accord? Et quand est-ce qu'on peut utiliser ces anticorps anti-antigènes HBS dans un cadre d'urgence, d'accord, d'une sérothérapie? Alors, soit en cas de contamination accidentelle par du sang contaminé, pourquoi? Parce que le virus de l'hépatite B se transmet par le sang. D'accord? Alors, si je suis piqué, par exemple, par une seringue qui provient d'un patient qui a de l'hépatite B, d'accord? Et je dispose de sérum d'anticorps anti-HBS, je peux me faire, d'accord, administrer, d'accord, dans le but de tuer ou de stopper rapidement, d'accord, la sérothérapie, la progression du virus. Donc ça, c'est le premier cas. Deuxièmement, tout nouveau-né de mère positive pour l'antigène HBS, d'accord, au même titre que la vaccination, on va lui donner dans les 12 premières heures la sérothérapie et, d'accord, à partir de 24 heures, dans les 24 et 48 heures, le vaccin, d'accord, le vaccin anti-hépatite B, d'accord. Et après transplantation hépatique chez un sujet porteur de virus, pourquoi après la transplantation hépatique chez un sujet porteur de virus? Parce que quand on fait une transplantation hépatique, on va donner des traitements immunosuppresseurs, d'accord, qui vont déprimer l'immunité. Et on a trouvé que lorsqu'on fait une transplantation hépatique et on donne un traitement immunosuppresseur, parce qu'on doit le donner, chez, d'accord, le porteur du virus, d'accord, il va faire une réactivation du virus, d'accord, le virus va se mettre à se multiplier, d'accord, alors qu'il était à l'état latent, qui est sans, etc., il se multipliait très peu. Et à ce moment-là, pour prévenir et contrecarrer, attaquer directement la réplication active du virus en post-transplantation hépatique, on va donner, d'accord, des immunoglobulines spécifiques anti-antigène HBS. D'accord, donc trois situations, contamination par du sang qui est contaminé, qui provient d'un patient qui est hépatite B+, d'accord, nouveau-né de mère positive, mais il faut que ce soit administré dans les premières heures, sinon ça n'a aucun effet, dans les 12 heures après accouchement, d'accord, et transplantation hépatique, kif-kif, d'accord, immédiatement après la transplantation dans les premières heures, donc c'est évident parce que sinon, si le virus se met à se multiplier en quantité importante, d'accord, ça n'aura pas d'effet. D'accord, donc, virus, donc hépatite B. Deuxième application, d'accord, le virus de la rage. Est-ce que vous avez fait le cours sur la rage? Le cours sur la rage, s'il vous plaît. Oui, d'accord. Là, donc, c'est plus simple. Vous avez fait la rage, d'accord? Et je vous rappelle rapidement, donc, la rage, c'est la famille des rhabdoviridés. C'est les morsures, les griffures de chiens ou d'animaux, d'accord, enragés, etc. D'accord? Et vous avez, quand on parle de prévention, d'accord? De prévention. Ou les deux traitements carrément post-exposition, de traitement, il s'agit d'un traitement plutôt que d'une prévention, d'un traitement post-exposition, d'accord? On peut être amené soit à donner du sérum seul, pardon, du vaccin seul,
D'accord, soit on fait rien du tout, d'accord, d'après la nature de la lésion, l'état de l'animal, etc. D'accord, ce qu'il est enragé ou pas. D'accord, ce qu'on appelle la classification en MES en trois catégories. D'accord, soit donc la vaccination catégorie 2, soit quand on est dans la catégorie 3, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a, d'accord, une morsure ou griffure en traversée la peau, ça veut dire qu'il y a une forte administration d'une grande quantité du virus dans des zones qui sont richement innervées et qui sont richement irriguées par le sang, d'accord? Pour éviter une diffusion rapide du virus, on va donner la sérothérapie en urgence et associer par la suite la vaccination, d'accord? C'est ce qu'on appelle la catégorie 3, là où il y a le risque le plus important de diffusion rapide du virus après le contact avec la lésion, d'accord? Contact du virus avec la lésion, d'accord? Donc contrecarrer, d'accord? Limiter rapidement, d'accord? La diffusion du virus. À ce moment-là, on va donner la sérothérapie spécifique avec bien sûr la vaccination. C'est obligatoire de donner le vaccin, d'accord? C'est pas uniquement le sérum. D'accord? Ça, c'était pour le virus de la rage. Pour le virus du zona, d'accord? Ce qu'on appelle, vous avez fait le cours hier sur les herpès viridés, d'accord? C'est ce que on appelle les ZIG, les austères, donc ça c'est en anglais, c'est pour dire, d'accord, zona, d'accord, immune globuline, etc., d'accord. Le virus de la zona, je vous rappelle rapidement, qui est une réactivation, une forme de réactivation du virus de la varicelle, d'accord. Et le zona en soi n'est pas très très dangereux, sauf surtout chez les patients, d'accord, qui présentent immunodépression, les personnes très âgées. Et à ce moment-là, lorsqu'on est avec des personnes qui présentent une forte dépression de l'immunité à médiation particulièrement cellulaire, voire même humorale, mais cellulaire, d'accord, voire les patients aussi sous immunosuppresseurs type oncohématologie, les patients d'oncohématologie, les cancéreux, etc., d'accord, à ce moment-là, si on suspecte du zona, d'accord, rapidement, d'accord, on va donner des immunoglobulines, ce qu'on appelle les ZIG spécifiques virus de la zona, du zona, pardon, en administrant, si d'accord, les indications le permettent, bien sûr, le traitement antiviral spécifique, d'accord, on va donner je sais pas, le valganciclovir, etc. Alors ensuite, les fièvres hémorragiques virales, je sais pas ce que vous avez fait un cours là-dessus, fièvre hémorragique virale. Est-ce que vous avez fait un cours là-dessus? Allô? Non. Je crois que ça, je dois vérifier, parce que je ne suis pas chargé de module. Je crois que ça ne fait pas partie du programme. Alors, rapidement, certainement vous entendez parler à la télévision du virus Ebola, de la fièvre Ebola. Alors, ce sont des virus qui appartiennent. Alors, fièvre Ebola, c'est une famille des. Alors, filoviridés, d'accord? Alors, les autres fièvres hémorragiques d'Amérique latine appartiennent à d'autres familles. Mais allez, d'accord? Ce que j'explique rapidement, alors, comme leur nom l'indique, ce sont des virus. D'accord, ce sont des virus. Alors, qui ne sont pas endémiques en Algérie. D'accord, heureusement que toutes les fièvres hémorragiques pour l'instant ne sont pas endémiques en Algérie. D'accord, elles sont endémiques dans certaines régions du monde, notamment par exemple pour l'Ebola, c'est en Afrique. D'accord, et là pour les fièvres hémorragiques d'Amérique latine, c'est l'Argentine, le Venezuela, etc., etc. D'accord, ce sont des virus qui, quand ils se transmettent à l'homme, d'accord, donnent principalement un syndrome quand la maladie évolue hémorragique. D'accord, un syndrome hémorragique qui est à l'origine des décès du patient. Alors, si vous tapez devant vous fièvre Ebola, virus Ebola, même maintenant, d'accord, il y a une recrudescence en plein Covid, d'accord, en pleine pandémie de Covid, il y a une recrudescence des cas Ebola, etc. En République démocratique de Congo, il y a des décès, etc. Pour la fièvre Ebola, on peut aller à une mortalité de 40%. D'accord, il y a des séries qui parlent même de 70%. Donc, ce sont des virus dangereux et pour lesquels, d'accord, pour lesquels il n'y a pas pour l'instant un traitement antiviral spécifique. Alors la dernière fois, quand on avait fait le cours sur les coronaviridés, j'avais parlé d'une molécule, ce qu'on appelle le remdesivir. Le remdesivir, qui est un candidat qui a été approuvé aux États-Unis. En fait, le remdesivir, c'est une molécule antivirale qui a été développée aux États-Unis contre le virus Ebola. D'accord? Ok. Alors bref, donc on retourne rapidement à la sérothérapie. Donc à défaut de disposer pour l'instant d'une molécule antivirale et d'un vaccin efficace, il y a des essais vaccinaux qui sont concluants mais qui ne sont pas efficaces à 100%, d'accord, on a trouvé qu'on pouvait administrer des anticorps spécifiques pour traiter ces fièvres hémorragiques. Et pour la fièvre Ebola, d'accord, on a même développé ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des anticorps d'origine naturelle, donc qui sont assez manipulés génétiquement.
D'accord? Ce sont des anticorps qui proviennent de sérums de vaccins qui sont manipulés génétiquement, ce n'est pas exactement les mêmes. D'accord? Et ça donne des résultats, bon, parfois encourageants, parfois contradictoires. Les résultats sont encore plus encourageants avec les anticorps naturels, avec les fièvres hémorragiques d'Amérique latine. Par exemple, la fièvre hémorragique d'Argentine, ce qu'on appelle le virus Junin ou Junin, d'accord, en espagnol, d'accord? On a découvert, en tout, quand on a fait les études, que la sérothérapie, en utilisant des anticorps spécifiques antivirus fièvre hémorragique d'Argentine, donnait des résultats encourageants plus qu'avec les autres virus qui étaient responsables de fièvre hémorragique. D'accord? Bon, pour l'Ebola, les résultats sont contradictoires, comme pour le Covid, la Covid-19, d'accord? Mais pour le virus de fièvre hémorragique d'Argentine, d'accord, les résultats pour les scientifiques sont satisfaisants et ils essayent, dans les formes sévères, d'administrer rapidement, d'accord, des sérums à base d'anticorps antivirus concernés. Alors, autre infection, d'accord, qui ont été essayées, hein, d'accord, qui ne sont pas pratiquées, hein, parce que ce qu'on a vu jusqu'à présent, d'accord, hépatite, rage, zona, même fièvre hémorragique, par exemple, d'Argentine, ça c'est pratiqué, d'accord. Ici, ce sont des études qui ont donné des résultats, mais ce n'est pas pratiqué à large échelle, d'accord. Ce ne sont pas, ça ne fait pas partie des pratiques médicales, que ce soit pour le parvovirus B19, que ce soit pour le CMV, d'accord. Pour le SARS-CoV-2, ça on l'a déjà dit, d'accord, que ça reste contradictoire. Il y a eu les premières séries qui étaient encourageantes, etc. Mais ensuite, on s'est dit que c'était des toutes petites séries au départ. C'était des séries d'une trentaine de patients. On ne pouvait pas généraliser. Ensuite, il y a eu des études, ça, d'accord, dans d'autres régions du monde. C'était les premières études étaient chinoises, d'accord. Il y a eu des études dans d'autres régions du monde qui étaient contradictoires. Tantôt c'était bien, tantôt que c'était médiocre, tantôt c'était la méthodologie, d'accord, en elle-même, que ce soit par rapport aux effectifs, que ce soit par rapport à la sélection des patients, d'accord, qui était mise en cause. Et donc dire que c'est un traitement qui est quand même assez efficace jusqu'à, d'accord, un certain degré, ça reste pour l'instant assez controversé pour le SARS-CoV-2. Alors pour la vaccination, donc rapidement, donc les bases immunologiques de la vaccination, donc d'accord, vous les connaissez, d'accord, pour la vaccination. Alors je vous rappelle que la vaccination, qui est une immunothérapie, d'accord, active, d'accord, son but, c'est d'avoir une réponse protectrice à long terme. D'accord? C'est d'avoir une réponse protectrice à long terme par opposition à la sérothérapie qui assure certes une réponse rapide qui est bon, enfin, partielle jusqu'à, parce que la quantité des anticorps administrés dans la sérothérapie, elle est en fonction, elle est titrée en fonction du poids du patient, etc. D'accord? Il y a un titrage à faire. Mais là, d'accord, la réponse, elle est spécifique. D'accord? Elle est plus spécifique que pour la sérothérapie. D'accord? Avec une protection de longue durée, d'accord, et on va le voir avec le développement, d'accord, d'une mémoire immunologique. Donc à chaque fois qu'on sera en contact avec le même agent pathogène, d'accord, le système immunitaire va le reconnaître comme tel et va développer une réponse une réponse immunitaire spécifique, d'accord, en fonction des virus cellulaires, humoraux ou les deux. D'accord? Donc, bien sûr, je vous rappelle rapidement, d'accord, que l'immunité, d'accord, spécifique, donc vous allez avoir la réponse cellulaire, la réponse humorale, d'accord. Donc, quand on parle d'immunité cellulaire, on commence des cellules présentatrices d'antigènes, d'accord, pour aller ensuite aux cellules spécialisées, d'accord, donc présentatrices d'antigènes, vont présenter les antigènes qui sont traités, apprêtés, etc., associés aux molécules d'histocompatibilité, les CMH1, 2, etc., d'accord, aux lymphocytes, d'accord. Et ensuite, à la cascade, s'il y aura une production d'anticorps aux lymphocytes B, avec différenciation en plasmocytes et production des anticorps. D'accord? Je vous rappelle que, d'accord, on va voir la réponse primaire lors du premier contact, d'accord, et la réponse secondaire. D'accord? La réponse primaire, d'accord, avec en général, elle est faible, surtout développant en général des IgM, d'accord, elle est rapide, mais elle est faible, elle ne va pas durer dans le temps, etc. Et ensuite, quand on va avoir d'autres contacts, on va développer, d'accord, une mémoire immunologique thymodépendante, donc lymphocyte T thymodépendant, d'accord, avec une réaction du système immunitaire qui va être plus rapide, plus importante en termes de quantité, en termes de qualité, parce que comme vous le savez, en immunologie, vous allez avoir la maturation d'affinité, donc les anticorps, donc plus le système immunitaire il sera boosté pardon, par des contacts répétés avec le même antigène, d'accord. Donc la spécificité et surtout l'affinité par la maturation d'affinité va augmenter, d'accord? Et on va avoir, d'accord, une
réponse plus importante, d'accord, en termes d'afflux cellulaire ou de quantité d'anticorps produits, d'accord, avec, d'accord, une action qui va durer plus longuement par opposition à la réponse primaire, qui elle est plus faible et plus rapide, plus courte, pardon, plus faible et plus rapide dans le temps. Donc, pour la vaccination, d'accord, il faut avoir une mémoire immunologique avec une excellente spécificité, d'accord, contre vis-à-vis de l'antigène qui est en cause dans la maladie infectieuse. Donc, je vous rappelle rapidement l'historique de la vaccination. D'accord, on ne va pas rappeler donc tout ça, vous avez tout ça, d'accord. Je vous rappelle ça, vous l'avez fait en immuno, peut-être en immunité, en vaccination antibactérienne, que vous avez, d'accord, grosso modo, deux événements qui sont très très importants, d'accord. C'est la variolisation qui a été pratiquée par Edward Jenner, d'accord, qui est encore un médecin britannique, d'accord. Et ensuite, vous avez les travaux de Pasteur qui ont abouti, d'accord, à la vaccination antirabique. D'accord? Donc en fait, la vaccination telle quelle, d'accord, le principe, d'accord, de spécificité d'antigène en administrant de façon répétée la même chose, ça a été Edward Jenner, d'accord, avec la variole et la vaccine de la vache, etc. D'accord? Et protection des gens qui traitent les vaches, etc. Et l'atténuation, d'accord, l'atténuation vaccinale, d'accord, avec la production d'un vaccin proprement dit, ça a été plutôt les travaux de Pasteur, d'accord, à la fin du 19e siècle. D'accord, donc c'est le premier traitement antirabique post-exposition. Je vous rappelle rapidement pourquoi un fil injecté par docteur Granchet, parce que je vous rappelle rapidement que Pasteur n'est pas médecin. D'accord, ça c'est une petite parenthèse. Donc là, vous avez quelques dates, d'accord, pour des vaccins qui ont été développés à la fois viraux et bactériens. D'accord, bien sûr, critères à remplir pour un vaccin rapidement, d'accord. Alors, qu'induire une mémoire immunitaire avec l'apparition des symptômes, sans l'apparition, bien sûr, de symptômes. Donc, reproduire une infection sans que l'infection, d'accord, dégénère. D'accord, en fait, on doit reproduire la réponse et non pas la symptomatologie de l'infection. Bien sûr, induire des concentrations significatives en anticorps spécifiques. D'accord, une réponse efficace. Une protection de longue durée, d'accord, avec parfois si ça nécessite des rappels, d'accord, avec un nombre de rappels qui est variable en fonction des vaccins, d'accord. La réponse immunitaire, bien sûr, aussi prédilection de la réplication virale, d'accord. Et maintenant, donc tout ça, c'est par rapport, d'accord, à la réponse immunologique elle-même. Maintenant, par rapport au vaccin, d'accord, une tolérance du vaccin, d'accord. Un vaccin inactivé doit être exempt de virus infectieux, d'accord. Un vaccin vivant atténué ne doit pas perdre son atténuation par une mutation réverse, on va l'expliquer rapidement, d'accord. Et un vaccin doit être stable, d'accord, pour la conservation et facile à administrer. Alors maintenant, si on revient un petit peu au vaccin, d'accord. Globalement, on va voir qu'il y a plusieurs types de vaccins produits, mais historiquement, donc historiquement parlant et jusqu'à présent, globalement, deux principaux types de vaccins. D'accord? Vous avez les vaccins vivants atténués et les vaccins inactivés. Alors, quand on parle de vaccins inactivés, cela veut dire que ce sont des vaccins qui sont tués. D'accord? Donc, d'un point de vue innocuité, ça veut dire danger, ça ne représente pas de danger pour les patients qui se font vacciner. Alors, par opposition, en gardant bien sûr leur immunogénicité, ils sont étudiés. Alors, maintenant pour les vaccins vivants atténués. Atténués, ça veut dire quoi? D'accord? Bien sûr, le virus, vaccin vivant, le virus qui est incorporé est un virus à l'état vivant, mais dont la virulence a été atténuée, ça veut dire réduite au maximum, d'accord, de sorte qu'ils ne produisent pas une infection, une symptomatologie de l'infection et une infection sévère. Donc, il est atténué jusqu'à arriver, d'accord, à garder son pouvoir immunogène, parce que si on l'atténue encore plus, on n'aura pas de réponse immunologique. Donc, ça, c'est la première des remarques. D'accord, il est vivant. D'accord? Il n'est pas tué, mais la virulence, elle est amoindrie au maximum, de sorte qu'on ne va pas développer l'infection réelle. Donc, il n'y a pas de danger pour le patient dans ce sens. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, alors, ne doit pas perdre son atténuation par mutation inverse. Alors, les vaccins vivants atténués, on risque d'avoir deux problèmes. D'abord, chez les patients fortement immunodéprimés. Donc, chez les patients fortement immunodéprimés, les vaccins vivants atténués, bien qu'ils soient atténués, comme ce sont des patients immunodéprimés, ils peuvent développer l'infection. Donc, il y a une contre-indication, d'accord, chez les femmes enceintes et les patients donc immunodéprimés, surtout les patients fortement immunodéprimés, d'accord, pour les vaccins vivants atténués. Donc, ça, c'est la première des choses. Deuxième risque, c'est qu'un vaccin vivant atténué, du moment qu'il est vivant, ça peut exister. D'accord, si vous avez fait le cours, est-ce que vous avez fait le cours sur les poliovirus, les picornaviridés, est-ce que vous avez fait la polio?
Allô, est-ce que vous avez fait la polio? Oui, parfait. D'accord? On vous a certainement dit peut-être ça pour la polio, d'accord? Pour le virus de la poliomyélite, d'accord? Le vaccin de la poliomyélite, vous avez deux types de vaccins. Parmi les vaccins, vous avez un vaccin vivant atténué. Et on a remarqué qu'il y a un risque, d'accord? Que le virus qui était atténué, suite à une mutation, c'est vrai qu'elle survient rarement, mais elle peut survenir, d'accord? Revient à son phénotype sauvage normal. Il redevient pathogène, d'accord? Comme le virus avant l'atténuation. C'est ce qu'on appelle une mutation réverse. D'accord? Et à ce moment-là, d'accord? Il devient très très dangereux pour le patient chez qui il a été administré et notamment pour la population générale parce qu'il risque de diffuser et d'aller atteindre des personnes qui sont fortement immunodéprimées. D'accord? Donc deux risques. D'accord? Chez les patients fortement immunodéprimés, les femmes enceintes, contre-indication des vaccins vivants atténués, par opposition aux vaccins inactivés et sous-unité, on va le voir. D'accord? Et risque d'une mutation, ce qu'on appelle reverse, ça veut dire quoi? Retour à la forme virulente du virus vivant, sauvage, le virus sauvage, à ce moment-là, risque d'avoir l'infection, l'infection naturelle. Donc, différents types de vaccins, en fonction de la technologie utilisée, les vaccins inactivés, tués, etc., les vaccins vivants atténués, d'accord? Des vaccins sous-unitaires, ça veut dire quoi un vaccin sous-unitaire? Ça veut dire que, d'accord, on a cultivé le virus, d'accord? Et on a purifié, on a pris uniquement, d'accord, les antigènes, immunogènes dont on a besoin, d'accord, pour avoir la réponse immunitaire spécifique. C'est ce qu'on appelle un vaccin sous-unitaire. Donc, ce n'est pas un vaccin qui contient, d'accord, un virus entier. Ici, inactivé, c'est virus entier. Vivant atténué, c'est un virus entier. D'accord? Premier cas, il est tué. Dans le deuxième cas, il est vivant et dont la virulence, elle est amoindrie. Ici, quand on parle de vaccin sous-unitaire, d'accord, on parle d'antigène. On va voir ce que c'est les VLP, les pseudoparticules virales. D'accord? La dernière fois, on était passé un petit peu rapidement, mais j'ai laissé ça pour cette séance. C'est quand on a fait la dernière fois le cours sur les papillomaviridés. En fait, le vaccin qui est dirigé contre les génotypes 16, 18, 31, 33, que ce soit le bivalent 16-18 ou le tétravalent 16-18, 31, 33, qui sont responsables du carcinome du col utérin, d'accord? Donc, ce vaccin qui est utilisé à large échelle, qui est efficace pour la prévention du carcinome du col utérin, d'accord? En fait, on va voir ce que c'est. Ce sont des pseudo-particules virales. Virus-like particles, on va voir ce que c'est, d'accord? Alors, il y a ce qu'on appelle les vaccins ADN et les vaccins vivants recombinants, on va voir ce que c'est. D'accord? Donc, je vous rappelle rapidement le calendrier national de vaccination en Algérie. D'accord, ça c'est le calendrier vaccinal national en Algérie. D'accord. Alors là, c'est tout le calendrier vaccinal, bien sûr. D'accord, avec les vaccins à la fois antibactériens et antiviraux. Alors là, vous avez le BCG. D'accord, c'est la tuberculose, hépatite virale B, HVB, VPO, virus poliomyélitique oral. D'accord. Là, on est en virologie. Kif-kif. D'accord. Alors DT-Coq, alors diphtérie, tétanos, coqueluche, hémophilus influenzae sérotype B, virus hépatite B. Donc là. Ok, on est en virologie, pneumocoque, donc en bactériaux. Alors, VPI, c'est quoi? C'est le vaccin par voie injectable de la polio. D'accord? Donc, le VPO, c'est le vaccin polio par voie orale. VPI, vaccin polio par voie injectable. D'accord? Donc, on utilise les deux, on dira un petit mot là-dessus. De toutes les façons, vous avez fait ça en piquant la viridée. Kif, kif, VPO. Donc, pneumocoque, kif, kif. D'accord? ROR, d'accord? Pour rougeole, oréant, rubéole. Rougeole, oréant, rubéole. D'accord? Donc, VPO, kif, kif, d'accord, c'est la même chose. D'accord? Ensuite, vous allez avoir encore un rappel du ROR, rougeole, oréant, rubéole, d'accord, et le reste. D'accord? Ça, c'est DT, diphtérie, tétanos, etc. D'accord? Là, vous avez le calendrier vaccinal national de vaccination, d'accord, avec la dernière version. Alors, nous, on va parler des vaccins viraux, les vaccins non réplicatifs, c'est-à-dire qui ne se répliquent pas. Donc, soit ce sont des vaccins inactivés, tués. D'accord, par la chaleur ou par une substance chimique, formant le bêta-propiolactone, d'accord. Soit ce sont des vaccins sous-unitaires. Donc, vaccins non réplicatifs, ça veut dire qu'ils ne se multiplient pas. D'accord? Donc, okay? Donc, les injections, d'accord, vont se faire par voie IM ou par voie sous-cutanée, etc. Alors, premier vaccin, ça on l'a fait ensemble, vaccin antigrippal. Donc, vaccin antigrippal, soit c'est un virus complet tué, inactivé, soit c'est un vaccin sous-unitaire. Uniquement l'hémagglutinine et la neuraminidase, d'accord, des vaccins, d'accord, des virus qui sont concernés ici. D'accord? Donc, toujours, je vous rappelle, on a fait le cours ensemble, d'accord? Dans le vaccin, c'est un vaccin qui est trivalent, avec
Trois souches obligatoirement, reformulation, on a vu ça, d'accord, à cause des mutations, d'accord, des épidémies annuelles, etc. Avec obligatoirement deux souches de type A, H1N1, H3N2, et une souche de type B. D'accord. Alors bien sûr, la stratégie vaccinale, d'accord, c'est de vacciner, on a fait ça au cours, toutes les personnes à risque, en commençant par les personnes âgées, même sans pathologie sous-jacente, avec les autres personnes, quel que soit leur âge. D'accord? Quand elles ont un facteur de risque particulier. D'accord? Les maladies cardiaques, respiratoires, l'insuffisance rénale chronique terminale, le diabète, etc. D'accord? Alors, ensuite, la vaccination anti-poliomyélitique. D'accord? Alors, je vous rappelle rapidement que la vaccination antigrippale n'est pas une vaccination obligatoire dans le calendrier vaccinal. Alors, tout ce qu'on n'a pas mis dans le vaccin, dans le calendrier vaccinal, d'accord, n'est pas une vaccination obligatoire. Alors, le vaccin anti-poliomyélitique. D'accord? On a deux types de vaccins. Le vaccin oral, d'accord? Bien sûr, c'est un virus réplicatif, c'est pas là. C'est ce qu'on appelle le Sabin. D'accord? Le Sabin en français, le Sabin, parce que c'est un anglo-saxon, c'est le nom d'un scientifique, etc. Le Sabin, Sabin, on va le voir. Vous avez à côté le vaccin injectable, ce qu'on appelle le SOC. D'accord? Et dans les deux cas, que ce soit du vaccin injectable, que ce soit du vaccin par voie orale, le Sabin ou le Sabin, d'accord? Le Sabin, d'accord? Il faut incorporer les trois sérotypes, d'accord, de poliovirus responsables de la poliomyélite, c'est-à-dire le poliovirus, le P1, le P2 et le P3. D'accord, P1, P2 et P3. Alors pourquoi, d'accord, donc si vous rappelez votre cours, alors pourquoi on doit utiliser, d'accord, dans la mesure du possible, bien sûr, parce que si le patient est immunodéprimé, d'accord, on va éviter d'utiliser le VPO, d'accord, mais dans le cas habituel, pourquoi on va utiliser les deux? Est-ce que vous pouvez me donner une courte réponse, d'accord, pourquoi on utilise les deux? Pourquoi à la fois on combine une vaccination poliomyélitique, si vous avez fait le cours, à la fois par voie injectable et à la fois par voie orale? Alors tout simplement, d'accord? Alors, pourquoi? Parce que, alors, les deux combinent deux avantages. Alors, quand on prend le vaccin qui est injectable, d'accord? Alors, le vaccin injectable, certes, c'est la réponse immunologique primaire avec les anticorps, etc. D'accord? Avec une réponse rapide par l'association des anticorps, etc. Mais quand on a fait les premières études, quand ils ont utilisé la voie injectable toute seule, d'accord? Comme c'est un virus dont le site préférentiel, d'accord, de multiplication, entre autres, et d'élimination, c'est les muqueuses entériques, élimination par les selles, d'accord? On avait trouvé que quand on administrait uniquement par voie injectable, on n'arrivait pas, d'accord, à avoir une immunité muqueuse et une stérilisation des selles efficaces par le virus qui était injectable. D'accord? Ça prévenait, pardon, uniquement les formes graves par l'effet d'anticorps, etc., le système immunitaire, etc. Mais le virus pouvait se multiplier et se transmettre. Donc, un patient, s'il est infecté et il est vacciné uniquement par le vaccin injectable, le SOC, d'accord, il ne va pas développer la poliomyélite. Pour ça, il est protégé. Sauf qu'on a remarqué que le virus, les anticorps n'avaient pas une bonne action et le système immunitaire, lorsque l'administration se fait uniquement par le virus injectable, par le vaccin, pardon, injectable, on n'arrivait pas à avoir une stérilisation de la muqueuse digestive. Et on avait remarqué que le patient ne fait pas de forme grave, mais le virus se multiplier au niveau de la muqueuse gastrique, d'accord, et était éliminé pendant de longues périodes au niveau des selles. Et à ce moment-là, le patient, il devient un danger de santé publique. Pourquoi? Parce qu'il est disséminateur du virus avec toute la pathologie que vous connaissez pour la poliomyélite, d'accord, ce que ça donne, etc., comme pathologie, etc. D'accord? La myotrophie, l'atrophie musculaire, etc. Ok? Donc, il faut combiner les deux. L'injectable, d'accord, c'est la prévention. D'accord, des formes graves du patient, d'accord, et le vaccin oral, d'accord, il va prévenir, d'accord, la circulation du virus dans la population. Donc ce virus protège uniquement le patient, l'injectable, mais ne protège pas la population. Donc quand on va combiner les deux, on va avoir à la fois une protection individuelle et une protection de masse. Alors, le vaccin antirabique, d'accord? Cours de la rage, d'accord, avec deux types de vaccins. D'accord, les vaccins de première génération, c'était tout le temps les deux vaccins sont des vaccins inactivés. Vous avez les vaccins de première génération qui étaient produits
par injection, par administration intracérébrale aux souriceaux nouveau-nés, d'accord? D'accord, donc c'est à partir des souriceaux. Mais actuellement, d'accord, la majorité des vaccins, bon, mais qui existent toujours, hein, d'accord, ces vaccins qui sont préparés à partir de souris, d'accord, existent, mais de moins en moins. Mais la plupart des vaccins sont des vaccins maintenant inactivés, préparés sur culture cellulaire. D'accord, neuroblastome, d'accord, avec un rendement meilleur et une préparation qui est rapide. Parce que les vaccins qui sont préparés sur les souriceaux, il faut avoir 21 jours pour avoir, d'accord, le virus en bonne quantité, etc. Mais pour les neuroblastomes murins, on va avoir une bonne quantité de virus après 24 à 48 heures, d'accord, d'incubation avec un rendement qui est meilleur. C'est pour ça que la plupart des vaccins qui sont commercialisés actuellement sont des vaccins préparés sur culture cellulaire lignée de neuroblastomes murins, ça veut dire de souris, donc des cellules du système nerveux central de souris. D'accord? Avec, je vous rappelle rapidement, je vais passer rapidement, d'accord, vous allez avoir la vaccination, deux types de vaccination, surtout la vaccination post-exposition. Alors en général, les vaccinations, comme dans le calendrier vaccinal, sont des vaccinations préventives pré-exposition. Donc, exception faite, mais on va voir, il y a aussi la vaccination préventive, d'accord, pour la vaccination de la rage, qui est une vaccination, c'est la seule vaccination qui est post-vaccination, avec, vous allez avoir plusieurs protocoles de vaccination. Je vous renvoie au cours, vous avez ici les protocoles en 5 injections, etc. J0, 3, 7, 14 et 28, etc. D'accord? Avec deux schémas possibles, avec un deuxième qui est en 4 injections simplifiées, etc. Donc, vaccination post-exposition, d'accord, par intramusculaire dans le deltoïde. D'accord? Vous avez la vaccination préventive qui, elle, concerne les professions exposées, notamment les services vétérinaires, les fourrières des animaux, l'abattoir. Les anatomopathologistes, les spéologues, pourquoi? Parce que en Algérie, ça ne se pose pas beaucoup, mais dans les pays, par exemple, en Amérique latine, en Australie, etc., d'accord, la rage peut se transmettre, d'accord, suite à des morsures de chauve-souris. C'est pour ça qu'on parle de spéléologues, les gens qui descendent dans les grottes. Allô, est-ce que vous m'entendez? Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, d'accord. Donc on revient, d'accord? Oui, d'accord. Donc on termine, d'accord? On continue. C'est la connexion, hein? D'accord? C'est la connexion. On était dans la vaccination antirabique, d'accord? On était dans la vaccination antirabique. Alors, les autres vaccins, d'accord? Donc ça, d'accord, on était dans la première partie, donc les vaccins non réplicatifs, donc qui ne se multiplient pas, soit inactivés, soit sous-unitaires. Il y a d'autres vaccins, d'accord, qui sont utilisés dans d'autres pays, pas le nôtre, l'encéphalite européenne transmise par l'éthique, encéphalite japonaise, etc. Ce ne sont pas très importants chez nous. Alors, deuxièmement, les vaccins recombinants. D'accord? Donc, les vaccins recombinants, d'accord? C'est quoi un Monsieur, vaccin la diapo, recombinant? s'il vous Alors, plaît. les vaccins recombinants, c'est que nous allons prendre donc le génome ou une partie du génome qui va coder les protéines vaccinales dont on veut produire Allô? En quantité pour la production d'anticorps spécifiques, d'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? On va les mettre dans un autre système d'expression. Par exemple, prendre avec le gène, d'accord? Et l'incorporer, c'est pour ça qu'on dit recombinant par recombinaison, et l'intégrer ou l'incorporer dans un système d'expression, par exemple, dans une autre bactérie ou là, dans un champignon, etc. D'accord? Au lieu d'utiliser le virus en entier. Alors, ce qu'on a vu pour l'instant, c'est quoi? Prendre, d'accord, un virus entier et le tuer. Ou la prendre un virus en entier, le tuer et purifier les antigènes. D'accord? Ici, c'est prendre
Le génome ou Maquage la la un fragment diapo. du génome, d'accord, le prendre, d'accord, le cloner, ça veut S'il dire vous plaît, l'intégrer monsieur la dans diapo. le génome d'une bactérie, d'une levure ou là d'un système cellulaire, Je etc. crois pas Ismaël. Hein, je crois pas Les Ismaël. vaccins Alors, sous mon barbane à voir. sécurité sont des vaccins sous unitaire obtenus par génie génétique, d'accord, soit les cellules de mammifères. Donc on a pris, C'est d'accord, chiant. le gène codant la protéine S, qui est la protéine majeure d'anti-HBs, la protéine vaccinale. Marvel. D'accord, c'est ce qu'on a fait. Alors, soit Je la partie du gène antigène HBs, soit on l'a incorporé dans le gène de la levure, et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis la levure, d'accord, à se multiplier. On a eu Oh, donc de grandes quantités d'antigène HBs qu'on a utilisées pour le vaccin. Fallait le Soit faire. des cellules de mammifères, notamment le hamster chinois, etc., pour l'origine de l'hépatite B, d'accord, kif kif, d'accord, on a incorporé le génome dans les cellules, d'accord, dans le génome, dans les cellules du mammifère, d'accord, et à ce moment-là, on a fait la multiplication des cellules in vitro, comme on fait la multiplication des cellules pour la virologie, etc., et on a obtenu, en se multipliant, d'accord, les cellules in vitro, Absolument, on a cool. obtenu de grandes quantités d'antigènes HBs, d'accord. Ça, ce sont les vaccins qui sont utilisés, d'accord, pour la vaccination contre l'hépatite B. Donc, les vaccins utilisés contre l'hépatite B sont des vaccins recombinants, tous les vaccins qui sont vendus. Alors, ensuite, vous avez un autre type de vaccin, ce sont les vaccins vivants atténués. On en a parlé tout à l'heure, d'accord, les vaccins vivants atténués, d'accord. Alors, plusieurs vaccins. Parmi les vaccins vivants atténués, on va voir, premièrement, le vaccin, le virus des oreillons. Donc, vous avez fait, d'accord, les cours sur les paramyxoviridés, d'accord. Donc, vaccin vivant atténué, d'accord. Rayon, pardon, rubéole, oreillon et rougeole, d'accord, sont, donc il y a soit des vaccins, on va voir monovalent ou la bivalent, soit en général, c'est un vaccin trivalent qu'on appelle le ROR, le ROR, rougeole, oreillon et rubéole. D'accord? Donc trivalent, donc vous avez, d'accord, un vaccin, un virus vivant atténuant, d'accord, de la rougeole, l'oreillon, les oreillons et la rubéole dans la même préparation vaccinale. Donc ça, c'est le nom de la souche rabais remplacée actuellement par la souche gérinine qu'on utilise, etc. Pourquoi? Parce que l'autre, elle donne des encéphalites virales, etc. Alors ensuite, vous avez le vaccin contre la rougeole. D'accord? Vaccin contre la rougeole, d'accord? Vous allez avoir le ROR. Il y a des vaccins soit monovalents, soit des vaccins bivalents, uniquement rougeole, rubéole, sinon le vaccin, le ROR, le ROR, le vaccin trivalent. De même que pour la rubéole. Je vous rappelle rapidement, les oreillons, la rougeole et la rubéole, d'accord, sont des maladies éruptives. Donc, pour les oreillons, la rougeole, ce sont des maladies éruptives d'enfance, d'accord. Et pour la rubéole, d'accord, on a peur surtout pour la rubéole congénitale. C'est pour ça qu'on fait la vaccination, d'accord. Donc, pour la rougeole et les oreillons, ce sont les conséquences, d'accord, directes du virus sur la personne qui est infectée, enfant ou adulte, d'accord. Et pour la rubéole, c'est pour la prévention, d'accord, de la rubéole congénitale. D'accord, la prévention de la rubéole congénitale, c'est surtout pour ça qu'on fait, d'accord, la vaccination anti-rubéole. Est-ce que vous avez fait le cours sur la rubéole? La rubéole. Alors, autre vaccin, d'accord, on en a parlé tout à l'heure, le sabin, le sabin, bon, en anglais, le sabin, d'accord, le vaccin anti-poliomyélitique oral. D'accord, donc efficacité remarquable parce qu'il offre la possibilité d'avoir une immunité locale intestinale, facilité d'administration. D'accord, vous allez administrer le vaccin sous forme de gouttes par voie orale. D'accord, bien sûr, les inconvénients majeurs, risque de contagion pour l'entourage. Donc attention, d'accord, pour la personne qui se fait vacciner, si elle a des immunodéprimés tout autour, contre-indication de tous les vaccins vivants atténués, la femme enceinte, etc. D'accord, et le risque, d'accord, de mutation réverse, inverse, et retour vers le caractère sauvage. D'accord, il faut se mettre dans la tête qu'on risque d'avoir une poliomyélite post-vaccinale. D'accord. C'est vrai que ça reste un événement qui est vraiment extrêmement rare. Pas pour autant, d'accord, arrêter la vaccination vu le bénéfice de cette vaccination. D'accord, mais il faut se mettre dans la tête qu'on risque d'avoir, d'accord, même dans des zones dans lesquelles la poliomyélite est éradiquée, comme dans notre pays, d'accord, des cas de poliomyélite, non pas qui sont dus à une circulation, une nouvelle épidémie de virus, mais plutôt de la poliomyélite post-vaccinale par réversion, retour vers le phénotype sauvage. Alors, vaccination contre la varicelle, d'accord, la vaccination contre la varicelle, qui ne fait pas partie du calendrier vaccinal algérien, ni du calendrier vaccinal de la plupart des pays dans le monde, bien que des pays ont émis des recommandations pour l'incorporer
dans le calendrier vaccinal, au moins pour certaines catégories de patients. D'accord? Ok, préparé à partir d'une souche, au cas préparé au niveau du Japon, etc. D'accord? Et là, vous avez des recommandations qui n'ont pas changé. J'essaie de chercher, d'accord? Des recommandations françaises, d'accord? Pour la vaccination contre la varicelle. D'accord. La vaccination contre la varicelle, donc qui est très, très intéressante, d'accord? Pour les gens qui se trouvent autour de patients, d'accord? Fortement immunodéprimés, notamment par exemple les patients d'hématologie, d'accord, les leucémiques, d'accord, les patients cancéreux, les VIH+, etc. D'accord, je dis bien l'entourage, pourquoi? Parce que les immunodéprimés, d'accord, on ne peut pas leur administrer un virus vivant atténué, et surtout le vaccin contre la varicelle. Pourquoi? Parce qu'il risque de faire une varicelle maligne, une forme majeure de la varicelle qui est mortelle. Et particulièrement si on a affaire, d'accord, à des immunodéprimés des adultes. Parce que je vous rappelle, même chez l'immunocompétent, la varicelle est quelque chose de très grave chez l'adulte immunocompétent. Et c'est pour ça qu'on dit que si on a affaire à un malade, d'accord, qui n'a pas fait de varicelle dans l'enfance, donc qui est séronégatif pour la varicelle, absence d'IgG antivaricelle, qui n'a pas fait de varicelle dans l'enfance, d'accord, qui est fortement immunodéprimé, avec dans l'entourage des patients immunocompétents, d'accord, en commençant par le personnel soignant et pour l'entourage immédiat, les personnes avec qui il est en contact étroit, il vit, etc. D'accord, et qui n'ont pas fait de varicelle, de préférence, d'accord, il faut recommander une vaccination chez cet entourage pour prévenir, d'accord, toute transmission du virus, d'accord, chez le patient immunodéprimé. Pourquoi? Parce qu'il peut faire une infection, faire du zona, d'accord, qu'il soit asymptomatique, que ce soit du zona asymptomatique, d'accord, et entre-temps, transmettre le virus, et à ce moment-là, on aura une varicelle maligne chez ces personnes immunodéprimées. D'accord. Alors, aussi, d'accord, les femmes ont l'âge de procréer. D'accord, pourquoi? Parce que donc la varicelle congénitale, la varicelle d'abord, elle est dangereuse chez la femme enceinte. D'accord, le taux de mortalité, il est assez important. D'accord, donc la varicelle peut être dangereuse chez la femme. Et à côté aussi du risque de la varicelle congénitale, donc de l'infection materno-fœtale. D'accord? Donc, dans l'histoire douteuse, d'accord? La vaccination n'ayant pas d'antécédent de risque de varicelle dans les suites de la première grossesse, c'est-à-dire dans les premières heures, etc. Donc, principalement, d'accord, l'entourage des patients qui n'ont pas fait de varicelle et les femmes enceintes pour prévenir les complications à la fois obstétricales et les complications de l'infection materno-fœtale. Alors, les rotavirus. D'accord, je ne sais pas si vous avez fait les rotavirus, d'accord, les réovirides. Donc les rotavirus, ce sont des virus, d'accord, cosmopolites dans le monde entier, d'accord, qui donnent des épidémies hivernales, surtout en hiver, dans les pays développés, d'accord, ou là, tout au long de l'année, dans les pays tempérés, d'accord, de gastroentérite virale. C'est la première étiologie de gastroentérite virale infantile, chez les enfants de moins de 5 ans, d'accord, où on peut aller jusqu'à la déshydratation sévère, voire le décès. Donc les rotavirus est la première étiologie des gastroentérites infantiles en pédiatrie chez les enfants de moins de 5 ans et particulièrement moins de 2 ans, où on peut avoir des déshydratations et un taux de mortalité qui est assez important. Il y a deux types de vaccins, d'accord, contre les rotavirus. D'accord, il y a un vaccin qui est monovalent d'origine humaine, d'accord, ce qu'on appelle Rotarix, bon, c'est un nom commercial, le vaccin monovalent humain, et vous allez avoir un vaccin réassortant pentavalent, penta pour 5. Pourquoi? Parce qu'on va avoir dans ce vaccin 4 souches d'origine humaine et une souche d'origine bovine, d'accord, qui provient, d'accord, des bovins, des vaches. D'accord, deux types de vaccins, soit le vaccin humain monovalent, soit le vaccin pentavalent réassortant, avec le virus humain et bovin, et en termes d'efficacité, c'est à peu près la même chose. D'accord? En termes d'efficacité, c'est la même chose, les deux vaccins sont assez efficaces. Alors, quand est-ce qu'on fait ces vaccins? Alors, on fait ces vaccins, en général, les pays d'accord, développés, pourquoi? Parce qu'ils ont très très peu de rotavirus, d'accord? Pourquoi? Parce que quand on fait les infections pendant l'enfance, on est assez immunisé. Pour les adultes, on ne fait pas des formes graves. D'accord? À ce moment-là, les indications de la vaccination s'imposent pour les patients adultes, notamment, d'accord, qui font des voyages dans des pays dans lesquels le rotavirus, les pays chauds et développés, tempérés, pardon, sévit toute l'année, et qui proviennent de pays développés
là où la circulation du rotavirus elle est limitée. Pourquoi? Parce qu'on risque d'avoir des épidémies de gastroentérite sévère chez les adultes et même faire revenir le vaccin, d'accord, en retour de voyage, le virus, pardon, ils vont faire revenir, faire voyager le virus avec eux, d'accord, ils vont l'emmener par exemple en Europe du Sud, etc. Et ça va être la catastrophe, ça va provoquer des épidémies de rotavirus, notamment qui peuvent être mortelles par déshydratation chez les enfants. D'accord? Donc en fait, dans les pays où le rotavirus circule fortement, il n'y a pas d'indication à vacciner. Pourquoi? Parce que les gens sont assez immunisés. Alors, vaccin contre la fièvre jaune. D'accord? Alors la fièvre jaune, normalement, je pense que vous n'avez pas fait ça au cours. Alors le virus de la fièvre jaune, alors le virus de la fièvre jaune est un virus, d'accord, qui donne une infection, une hépatonéphrite, la fièvre jaune, d'accord, assez sévère. C'est un virus qui est transmis, d'accord, par les tiques, par les moustiques, etc. D'accord? Et qui sévit dans certaines régions, notamment d'Afrique. Donc ici en Algérie, ça n'existe pas, d'accord? Mais la vaccination est obligatoire quand on se rend dans ces pays. D'accord? C'est un virus qui donne, bon, la fièvre jaune parce qu'il donne une pâleur, etc. C'est une hépatonéphrite, il va donner un ictère, etc. D'accord? C'est un virus quand même qui est assez sévère, qui sévit dans pas mal de régions d'Afrique et d'Amérique latine. D'accord? Nous, par exemple, pour les gens qui se rendent au pèlerinage, le Hajj ou l'Omra, d'accord, ça fait partie des vaccinations obligatoires. D'accord, dans le calendrier vaccinal de la personne, les Hajj ou l'Omra, d'accord, on se fait vacciner contre la fièvre jaune ou pour les patients qui se rendent dans ces régions. Les diplomates, les patients qui font du commerce, ou, je sais pas, ou là, qui vont s'installer dans des régions d'Afrique ou d'Amérique dans lesquelles sévit ce virus, le virus de la fièvre jaune, d'accord, on fait une vaccination, d'accord. C'est un rappel vaccinal, une seule injection, d'accord, qui va protéger pendant 10 ans. Donc une injection tous les 10 ans. Alors un dernier mot, d'accord, on a terminé avec les applications pratiques, d'accord. Un dernier mot sur les nouvelles stratégies vaccinales, les technologies de vaccination qui sont en cours de développement, d'accord. Donc premièrement, vous allez avoir les vaccins, ce qu'on appelle les vaccins ADN, d'accord. Alors les vaccins ADN, c'est quoi un vaccin ADN, d'accord. C'est très simple, on va prendre directement le génome, que ce soit du virus ou de la bactérie, d'accord, pour lequel on veut préparer un vaccin, d'accord, et on va, d'accord, directement le cloner, l'incorporer, d'accord, dans un plasmide d'ADN bactérien. C'est pour ça qu'on parle de vaccin ADN. Ici, on n'injecte pas de virus, qu'il soit vivant, qu'il soit inactivé. Et on n'injecte pas de protéines directement vaccinales, comme pour le virus grippal sous-unitaire ou le virus de l'hépatite B. D'accord? On va injecter du matériel génétique, de l'ADN. D'accord? C'est un ADN, c'est un plasmide, d'accord, c'est un ADN bactérien, d'accord, qui renferme soit un ADN viral, soit un ADN bactérien, d'accord, qui est lui, d'accord, la source vaccinale, d'accord. Donc, vecteur facile à construire, à produire en génétique. Donc, ça, c'est de la génie génétique, il faut manipuler les techniques, etc. D'accord. Alors, vous avez les vaccins vivants recombinants. Alors, vaccins vivants recombinants, d'accord, c'est comme. On a vu tout à l'heure pour le vaccin d'hépatite B, mais ici, le vecteur utilisé est vivant. Alors, tout à l'heure, pour l'hépatite B, on avait dit quoi? On va prendre le segment du génome, d'accord, par exemple, l'antigène HBs, d'accord, on va l'incorporer dans un autre système, d'accord, cellulaire, d'accord, cellule ou levure ou autre, ce qu'on appelle un virus recombinant. Mais là, il n'était pas, le vecteur n'était pas vivant. Ici, d'accord, on va utiliser des virus comme vecteur. D'accord? Et ce sont des virus qui peuvent infecter l'homme, qui peuvent se multiplier sans provoquer une infection sévère. Notamment certains types, d'accord, d'adénovirus, voire les d'accord, alors ça, c'est, il y a une bêtise ici, AAV, Adeno-Associated Virus, ce ne sont pas des adénovirus, hein, ce sont des virus qui font partie de la famille des parvoviridés. Hein, c'est Adeno-Associated Virus, apparemment c'est le PC qui a corrigé ça, ce n'est pas Adenote, d'accord, Adeno-Associated Virus, d'accord, par exemple, d'autres rétrovirus, les poxviridés, etc. D'accord? Alors quand on prend l'exemple des adénovirus, on va prendre des adénovirus, des sérotypes, parce qu'il y a plusieurs, on va prendre des sérotypes, d'accord, qui sont pas pathogènes chez l'homme, ou là, très peu pathogènes chez l'homme. On va prendre l'adénovirus, d'accord? Et comme les adénovirus ont un grand génome, d'accord, on va exciser, éliminer une partie du génome, une petite partie du génome, d'accord, qui sera remplacée, par exemple, si on veut produire, par exemple, un vaccin, par exemple, là, contre le virus de l'hépatite B, d'accord, et on va incorporer, d'accord, ok, la partie du génome de l'hépatite B dans le génome de l'adénovirus. Et
on va administrer l'adénovirus en complet. D'accord? Par exemple, par voie respiratoire, par exemple, parce que c'est un virus respiratoire. Donc, l'adénovirus va atteindre, par exemple, les voies respiratoires supérieures et inférieures de l'homme, par exemple. Il va se multiplier, comme c'est un site préférentiel de multiplication. Quand il va se multiplier, lui, d'accord, il va se répliquer son génome, synthèse des protéines de l'adénovirus, etc. En même temps, il va y avoir traduction, d'accord, du génome ou de la partie du génome qu'on a cloné, qu'on a incorporé. Et en produisant ça, il va produire les protéines ou les antigènes vaccinaux qu'on recherche, d'accord? Et ces antigènes, d'accord, le système immunitaire, il va les reconnaître et il va développer, d'accord, des anticorps, en tout cas une réponse immunitaire cellulaire et humorale contre, d'accord, l'agent en cause. D'accord? Donc ça, le vecteur, il est vivant. On va utiliser les capacités de réplication réelles, d'accord, dans l'organisme humain du patient, etc. D'accord? En utilisant, d'accord, la partie, c'est pour ça qu'on parle de recombinant du génome, d'accord, qu'on veut utiliser comme préparation vaccinale. D'accord, là, vous avez, d'accord, les avantages, l'efficacité d'infection, donc un fort taux d'expression. Il n'y a pas de risque. Pourquoi? Parce que les vecteurs vivants qui sont choisis sont des virus qui sont non pathogènes ou très peu pathogènes chez l'homme. On ne va pas mettre, par exemple, un fragment du génome de l'hépatite ou de la rubéole ou, je sais pas, de la grippe, etc. Par exemple, je sais pas, dans le virus de la rage ou, d'accord, ou le virus des oreillons, etc. D'accord, on ne va pas le mettre dans un virus qui est fortement pathogène. D'accord, fort taux d'expression des antigènes parce qu'on va avoir une forte réplication du virus, une infection en fait naturelle. D'accord, et une administration qui va imiter l'infection naturelle. Par exemple, si on veut développer une vaccination contre un virus qui donne une infection par voie respiratoire, on va utiliser un virus comme vecteur qui se multiplie au niveau des voies respiratoires et on va l'injecter par exemple par inhalation, par spray, etc. Et vice-versa. Si c'est un virus qui est responsable du gastroentérite, d'accord, on va utiliser un vecteur qui se multiplie dans les intestins, d'accord, dans les voies digestives, etc. D'accord? Une réponse cellulaire et humorale après une seule injection, etc. D'accord? Avec une bonne réponse immunitaire parce qu'on va produire. D'accord, presque une infection naturelle, c'est comme un vecteur vivant atténué, d'accord, en éliminant tous les risques, etc. Alors, c'est quoi les virus-like particles, les VLP? Donc, ça, c'est une autre technologie, les pseudoparticules virales, d'accord, on a parlé des vaccins contre les papillomavirus, d'accord. Alors, en fait, ici, d'accord, on ne va pas utiliser de vecteur, ni de plasmide ou d'ADN bactérien, ni de virus en entier qui n'est pas pathogène ou très peu pathogène, etc. Ici directement, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le virus, d'accord, pour lequel on va faire une vaccination, par exemple le papillomavirus, parce que c'est la seule application qui est pratique, d'accord. Le vaccin est commercialisé, d'accord, qui contient les quatre génotypes majeurs, d'accord, le 11, le 16, le 18 et le 30, le 30, le 16, pardon, le 16, le 18, le 30 et le 33, d'accord, pour le carcinome du col utérin. D'accord, qu'est-ce qu'on va faire? On va cultiver le virus in vitro, on va séparer les antigènes, notamment les protéines L1, d'accord, et on va construire par génie génétique donc une sorte de molécule qui ressemble à un virus qui est uniquement formé de ces antigènes. Donc on a ramené les antigènes L1, l'antigène majeur de capside L1, des génotypes 16, 18, 31, 33 qui sont produits en quantité, purifiés, etc. Et on va faire comme une sorte de particule virale faite uniquement, il n'y a pas de génome, il n'y a pas le reste, etc. Faite uniquement, d'accord, de ces protéines majeures L1, c'est ce qu'on appelle une pseudo-particule virale. D'accord? Les vaccins cellulaires, donc c'est à l'étude, surtout développée contre les tumeurs, mais il y a des applications en pathologie infectieuse en vue. D'accord? À ce moment-là, on va utiliser des cellules. Donc, au lieu d'utiliser du plasmide, des virus non ou peu pathogènes, on va utiliser des cellules, d'accord, notamment des cellules dendritiques. D'accord, parce qu'elles sont présentatrices d'antigènes avec toute la cascade immunitaire qu'elles vont développer, d'accord, et dans lesquelles on va incorporer un antigène ou un fragment du génome viral, etc., voire même le virus à l'intérieur. D'accord. À côté de ça, pas une technologie du vaccin lui-même, mais agir sur la voie d'administration. Pourquoi? Parce qu'actuellement, les deux voies d'administration qui sont validées et utilisées, d'accord, c'est la voie orale, sous forme de gouttes, d'accord, et la voie parentérale sous forme d'injection intramusculaire, intraveineuse, etc. Sous-cutanée, pardon, intramusculaire, sous-cutanée, etc. D'accord? Là, on penserait, par exemple, pour les virus à tropisme respiratoire, à faire des inhalations des sprays.
D'accord? Faire pour les virus à tropisme digestif responsable de gastro-entérite, d'accord? Ce qu'on appelle des virus, des vaccins comestibles, d'accord? Qu'on va manger, qu'on va boire, etc. D'accord? C'est ce qu'on appelle les nouvelles voies d'administration. Voire même par voie même génitale, et des essais, une sorte d'ovule, etc., à base de vaccination, etc. Donc la voie intranasale, orale, rectale, etc. Est-ce que vous avez des questions? Ah, alors, vous avez mis, on n'a pas de diapo depuis 30 minutes, donc j'ai pas remarqué ça. Hein. Le message ne s'est pas affiché chez moi. D'accord, bon, Malish, on va revoir rapidement les diapos. D'accord, où est-ce que vous êtes arrêté pour les diapos? Où est-ce que vous êtes arrêté pour les diapos? La partie vaccin vivant atténué, ok. Est-ce que vous voyez la diapo maintenant? La diapo. Est-ce que vous voyez la diapo? Alors, est-ce que vous m'entendez? Alors, s'il vous plaît, est-ce que vous m'écoutez? Allô? Allô? D'accord. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, on entend. Est-ce que vous voyez la diapo? Oui, parfait. D'accord. Donc il y a un souci technique, d'accord. Donc vaccin vivant atténué. Donc, bon, on va essayer de dérouler rapidement les diapos, d'accord, et vous allez vous poser vos questions. Donc vaccin vivant atténué, d'accord? Bon, si l'image ou le son partent, envoyez-moi un message, s'il vous plaît. Alors, tout à l'heure, le message ne s'affichait pas. C'est pour ça que je ne savais pas. Alors, vaccin contre le virus des oreillons, d'accord? On avait dit que, d'accord, oreillons, rougeole et rubéole, d'accord, sont incorporés dans le même vaccin, le ROR, d'accord, qui fait partie désormais, ça fait pas longtemps en Algérie, depuis 2016, qu'on a incorporé le ROR, alors qu'il existe, qu'il est incorporé dans le calendrier vaccinal depuis longtemps dans les autres pays. D'accord? Comme. Bon, personne. Excusez-moi, les conversations ne s'affichent pas. Qu'est-ce que vous m'écoutez? D'accord? Pourquoi? Parce que je ne voyais pas les conversations. D'accord? Vaccin contre la rubéole. Ah oui, ça revient. Apparemment, c'est la connexion. Ah oui, c'est la connexion. Alors maintenant, les messages arrivent. Hein? D'accord? C'est la connexion. Donc, vaccin contre la rubéole. Alors, vaccin antipoliomyélitique oral, le Sabin, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. D'accord? C'est que ce vaccin permet la protection, d'accord, les campagnes de masse, la protection de la population. Alors pourquoi? Parce qu'il confère une immunité efficace au niveau de la muqueuse intestinale. Tout à l'heure, on avait dit que le vaccin injectable, d'accord, prévenait efficacement, il prévient efficacement contre les formes graves, d'accord, mais il n'arrête pas la multiplication et la diffusion du virus à partir de l'intestin dans les selles. À ce moment-là, on risque d'avoir, d'accord, des épidémies alors qu'on protège donc le patient qui est infecté. À ce moment-là, d'où l'indication, d'accord, de l'utilisation du vaccin, le Sabin, le Sabin, le vaccin oral. D'accord, bien sûr, je vous rappelle, comme c'est un vaccin vivant atténué, d'accord, contre-indication
chez l'immunodéprimé et la femme enceinte, d'accord, mais attention aussi, d'accord, à la réversion, c'est-à-dire à la mutation et retour vers le virus sauvage. On peut avoir des cas rares, mais on peut avoir des poliomyélites post-vaccinales qui ne sont pas dues à la circulation du virus dans les régions dans lesquelles le virus est éradiqué. Par exemple, en Algérie, la poliomyélite est éradiquée, d'accord, mais on peut avoir une poliomyélite post-vaccinale par retour au phénotype sauvage. Donc, la vaccination contre la varice, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure, d'accord, deux indications majeures, d'accord, le vaccin contre la varicelle, qui ne fait pas partie du calendrier algérien, bien sûr, et même dans la majorité des pays du monde, hein, d'accord, pour l'instant, mais il y a des pressions, d'accord, de la part des populations savantes pour essayer de l'incorporer pour son bénéfice, d'accord, dans le calendrier vaccinal obligatoire de certains pays. Et les recommandations qui n'ont pas changé depuis 2007 en France, et pas uniquement en France, hein, dans pas mal de pays qui sont reprises aussi par la France à partir d'autres pays, notamment les premiers essais qui ont eu lieu au Japon, par exemple, d'accord, c'est de vacciner, d'accord, les femmes enceintes et, ou en âge de procréer. Pourquoi? Parce que la varicelle chez la femme enceinte, elle est dangereuse déjà pour la femme. Elle peut être mortelle dans pas mal de cas, jusqu'à 25% des cas, d'accord, cause d'avortement, voire d'infection materno-fœtale, donc la varicelle néonatale. D'accord, donc c'est pour ça qu'on vaccine les femmes, d'accord, qu'on indique, bien que ce soit un vaccin vivant atténué, pourtant c'est un vaccin vivant atténué, normalement il y a une contre-indication pendant la grossesse, et malgré ça, d'accord, pour les femmes séronégatives, c'est-à-dire qui n'ont pas fait de varicelle, d'accord, il y a des recommandations, ce n'est pas une obligation, il y a des recommandations. Pourtant, normalement, c'est un vaccin vivant atténué, d'accord, et la vaccination de l'entourage, d'accord, des patients immunodéprimés, séronégatif à risque de faire la varicelle. D'accord, les immunodéprimés, je ne sais pas, les malades, les leucémiques, d'accord, les patients cancéreux sous immunosuppresseurs, etc. C'est la vaccination, elle est recommandée chez le personnel soignant et l'entourage, bien sûr, qui n'a pas fait de varicelle. D'accord, dans l'enfance, pourquoi? Parce qu'on n'aura pas les anticorps protecteurs, il va y avoir, d'accord, la diffusion du virus chez ces patients, etc. Alors, les rotavirus, on avait dit que les rotavirus, d'accord, qui sont responsables de gastroentérite infantile, d'accord, chez nous, il n'y a pas d'indication de se faire vacciner, d'accord. La vaccination en général, deux types de vaccins monovalents d'origine humaine, pentavalent, ça veut dire il y a 5, avec 4 souches humaines, une souche d'origine bovine, d'accord, ce sont les gens des pays dans lesquels les rotavirus ne sont pas endémiques, par exemple les pays de l'Europe occidentale, les pays nordiques, etc., le Canada, etc., lorsqu'ils se rendent dans les pays tempérés dans lesquels le rotavirus est endémique pendant toute l'année. Pourquoi? Parce qu'on a peur de faire, bon, bien sûr, des gastroentérites à rotavirus et surtout de ramener le virus quand on rentre chez nous, d'accord, dans des pays dans lesquels les rotavirus ne circulent pas, donc il y a un défaut d'immunité donc naturel à ce moment-là, ils risquent d'avoir des épidémies chez les patients, chez les enfants, bien sûr, parce que c'est la cause majeure de gastroentérite infantile inférieure à 5 ans et particulièrement 2 ans, d'accord. Et chez les patients qui risquent à fragiliser, etc., on risque d'avoir des déshydratations sévères responsables du décès du patient. Donc, la fièvre jaune, ça ne sévit pas en Algérie, d'accord. Elle est due à un virus, bon, vous n'avez pas fait ça, d'accord, ce qu'on appelle un arbovirus. C'est un virus qui est transmis par des moustiques, d'accord, qui va donner une maladie qu'on appelle la fièvre jaune. C'est une hépatonéphrite qui peut évoluer vers le décès, etc. D'accord. Et je vous ai dit tout à l'heure que la vaccination contre la fièvre jaune, elle est obligatoire pour les Algériens qui se rendent, d'accord, le Hajj al-Omra. D'accord, Hajj al-Omra, ça fait partie des vaccinations obligatoires, par exemple, à côté, par exemple, la vaccination contre le méningocoque, avec le calendrier vaccinal aussi qui doit être bien suivi et tenu, les rappels, diphtérie, tétanos, etc. D'accord, on va faire une vaccination anti-méningocoque, donc la méningite, d'accord, c'est une bactérie, d'accord, le méningocoque, et une vaccination obligatoire contre le virus de la fièvre jaune. Donc, nouvelle stratégie vaccinale, c'est ce qu'on était en train d'expliquer tout à l'heure, d'accord. Les vaccins ADN, d'accord, pourquoi on parle de vaccins ADN? Parce qu'on va injecter un ADN, c'est un plasmide bactérien, d'accord, c'est un ADN dans lequel on a incorporé tout l'ADN ou un fragment d'ADN du virus contre lequel ou pour lequel on veut développer une réponse antivirale. D'accord, donc on va, c'est pour ça qu'on les appelle vaccins ADN, parce qu'on va injecter un ADN. De toutes les façons, pour l'instant, ce ne sont pas des vaccins commercialisés, pas d'application. D'accord, facile à construire, l'absence bien sûr, absence de risque, ce sont des vaccins, d'accord. Donc il n'y a pas ces histoires, je sais pas, d'allergie, de réversion, d'immunodépression, etc. D'accord.
Les vaccins vivants recombinants, c'est ce qu'on a été expliqué tout à l'heure, d'accord, il n'y avait pas de diapo, d'accord, c'est que là, d'accord, kiff kiff, on ne va pas utiliser le virus ou l'antigène viral, on va toujours utiliser le gène, le génome en entier ou une partie du génome pour le virus contre lequel on veut développer une réponse, d'accord, et on va le cloner, l'incorporer, l'intégrer dans un vecteur qui est là vivant. Et on va utiliser soit des bactéries, soit en général des virus. D'accord? Donc, le virus ou la bactérie, le virus ou la bactérie en qui contient ce génome, ou cette partie du génome, on va l'administrer. Vous avez plusieurs virus qui peuvent être utilisés comme vecteur. Alors, les plus utilisés, en tout cas pour la recherche, qui ont donné les meilleurs résultats, ce sont les adénovirus, qui ne sont pas pathogènes, puisqu'il y a des sérotypes qui sont pathogènes, les sérotypes qui ne sont pas pathogènes, très peu ou pas pathogènes. Et vous avez les virus de la famille des poxviridés. Je ne sais pas si vous avez fait les poxviridés, le virus de la variole. Bien sûr, ce n'est pas la variole. Il y a d'autres virus. D'accord ? Pourquoi ? Parce que ce sont de grands virus, d'accord ? Avec de grands génomes, d'accord ? Qui ne sont pas très pathogènes. Et à ce moment-là, on peut cloner facilement parce qu'on a un grand espace dans lequel on peut incorporer un génome, voire de grands fragments de génome, de virus, pour lesquels on veut développer un vaccin. D'accord ? Donc, à ce moment-là, on va incorporer le virus, l'administrer. Le virus va se multiplier dans le corps humain normalement, comme tout agent pathogène qui va pénétrer le corps humain. En se multipliant, il va exprimer ses propres protéines à lui et à côté, d'accord, il va traduire les protéines, d'accord, du virus contre lequel on veut développer la réponse vaccinale. Et à ce moment-là, on va avoir une grande quantité de ces protéines et développons de la réponse vaccinale. Alors, les pseudoparticules virales, d'accord, là, il y a une application pratique. C'est le vaccin, le Gardasil, le vaccin tétravalent contre le carcinome du col utérin qui contient, d'accord, les génotypes des papillomavirus humains 16, 18, 31 et 33. Alors là, c'est pour ça qu'on parle de virus-like particles, donc des pseudoparticules virales, d'accord. On a construit une sorte, d'un point de vue structure sommaire, c'est pas exactement ça, parce qu'un virus, il faut avoir une nucléocapside, un antigène, etc. D'un point de vue, d'accord, morphologie globale, d'accord, une sorte de particules virales, d'accord, faites uniquement de sous-unités par la combinaison, d'accord, l'assemblage de sous-unités qui nous intéressent, vaccinales, d'accord, dans le cadre des papillomavirus, d'accord, c'est les protéines L1, d'accord, l'antigène majeur de capside, d'accord, protéines L1 du 16, 18, 31, 33, d'accord, on les a incorporées, on a obtenu, d'accord, une sorte de molécules, de particules, grandes particules qui ressemblent à un virus d'un point de vue structure globale, morphologique, d'accord. C'est pour ça qu'on parle de VLP. D'accord. Donc ça, c'est une application pratique. D'accord. Les VLP, les virus-like particles ou les pseudo-particules virales, sont utilisées pour la vaccination contre le carcinome du col utérin. Alors, laissez les questions à la fin, hein, d'accord ? D'accord, les vaccins cellulaires. Donc, à ce moment-là, on va utiliser comme vecteur des cellules. Au lieu d'utiliser un ADN bactérien, des virus ou des bactéries qui se multiplient, on va incorporer, d'accord, les antigènes ou le génome dans le génome ou sur les cellules, etc. Les cellules présentatrices d'antigènes, notamment les cellules dendritiques, avec toutes la réponse immunitaire et qui va se dérouler, d'accord. Et là, ce n'est pas la technologie qui va changer du vaccin lui-même, la préparation du vaccin, mais c'est la voie d'administration. Il a été plusieurs fois la connexion, d'accord. La nouvelle voie d'administration à ce moment-là, d'accord, en utilisant des virus soit inactivés, soit vivants atténués, soit sous-unitaires, etc. Mais c'est la voie d'administration qui va changer. On va utiliser d'administrer le virus, le vaccin antiviral par la voie qui est habituellement utilisée comme voie naturelle d'infection, si c'est un virus respiratoire par voie intranasale, en inhalation, en spray, etc. Si c'est une gastroentérite, c'est la voie orale. Si c'est une infection génitale, c'est, je sais pas, des ovules, etc. Si rectale, etc. Alors, rapidement, parce qu'on me presse de partir, d'accord. Alors, il y a une question qui m'a été posée. Alors, j'arrive pas à voir la conversation. Est-ce que vous pouvez réécrire la question ? J'arrive pas à voir.
si vous m'écoutez, j'arrive pas à voir la conversation. Allô, est-ce que vous m'écoutez? Alors, monsieur, s'il vous plaît, pour les vaccins vivants recombinants, c'est mon surnom qu'on utilise. Alors, vivants recombinants, des virus ou des bactéries non réplicatifs. Alors, excusez-moi. Ah oui, le cours est hyper long, c'est une synthèse, hein, d'accord, quand vous dites que le cours est hyper long. Normalement, ce sont des parties, d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez nous orienter, d'accord? Je ne peux pas vous orienter parce que, alors, normalement, c'est une synthèse de tous les cours que vous avez faits, d'accord? Alors, monsieur, les vaccins vivants recombinants, c'est mentionné qu'on utilise des virus et des vaccins, non, des virus ou des bactéries non réplicatifs alors qu'ils doivent se multiplier dans l'organisme. Je n'ai pas compris la question. Bon, la première phrase, c'est bon, mais je n'ai pas compris la question, monsieur. Pour les vaccins vivants recombinants. D'accord? Alors, ici, les virus ou les bactéries non réplicatifs. Là, alors, si j'ai bien compris votre question, je vais essayer d'expliquer un petit peu. Alors, qui doit se multiplier dans l'organisme? C'est le vecteur qui se multiplie, c'est pas le virus. C'est ce que je veux dire. D'accord? Quand on parle de vaccins vivants recombinants qui se multiplient. D'accord? En fait, la multiplication, c'est le vecteur. D'accord? Et le vecteur contient une partie du génome. D'accord? C'est pour ça qu'on parle de virus recombinant. Lorsqu'il se multiplie, il va, d'accord, répliquer son génome et ses protéines et répliquer le génome, ou là, le fragment du génome, d'accord, qui a été cloné ou là, incorporé dans son génome. D'accord? C'est pas la même chose. Quand on prend par exemple le virus de l'hépatite B, on l'a fait la multiplication in vitro. D'accord? C'est un vaccin qui est recombinant mais pas vivant. D'accord, c'est un vaccin recombinant mais pas vivant, d'accord. On a fait la réplication, par exemple, dans les levures, etc. D'accord, on a purifié, on a pris uniquement les antigènes viraux et on les a incorporés dans le vaccin, par exemple, pour le virus de l'hépatite B. D'accord. Le cours est hyper long, donc je ne peux pas faire plus que ça. J'ai essayé de synthétiser au maximum. De toutes les façons, ce sont des parties qui proviennent d'autres cours. D'accord. Alors, excusez-moi, je dois quitter la salle. Maintenant, pour les questions, vous pouvez m'envoyer vos questions par mail, etc. Que ce soit des questions d'ordre technique, que ce soit, je sais pas, par rapport à ce que vous devez maîtriser, etc. Bon, excusez-moi et bon courage. D'accord ? Est-ce que je peux quitter ? Je dois quitter, d'ailleurs. D'accord ? Est-ce que je peux quitter ? Oui. Donc, c'est un cours qui est hyper lent. D'accord ? Si, je l'ai donné à vos collègues. Là, je n'ai pas le temps de... D'accord ? Si. D'accord, j'ai donné ma boîte mail.